Hello mes chers signes d'eau, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, je reviens avec une petite guidance, cette fois donc générale et sentimentale. J'ai une petite surprise pour le sentimental parce que j'ai un nouveau jeu que j'aime beaucoup, un oracle. Alors, signe d'eau, on va essayer de faire une petite guidance là. Je vais essayer d'inclure qu'est-ce que ce portail vous a apporté, qu'est-ce que la pleine lune, quel rôle va jouer la pleine lune dans votre élément. Et puis là déjà ce que je ressens, c'est très positif, c'est que on est en train, les signes d'eau, de se débloquer. J'ai entendu déjà plusieurs messages, donc maintenant je vais me connecter un tout petit peu avant de commencer ma vidéo. Donc les messages que j'ai captés, premièrement, on est en train de se débloquer. On ne l'est pas complètement, mais on est vraiment, vraiment, vraiment en train de se débloquer d'une situation. Je le répète souvent sur ma chaîne, il y a eu pour certains d'entre nous presque 10 ans au niveau collectif. On a été un peu bloqués, on a été comme retenus, comme si les énergies étaient trop lourdes pour avancer, comme s'il y avait toujours un truc qui nous empêchait de, comme si on avait un boulet au pied, comme si on n'arrivait même plus à savoir finalement quelle est notre voie, une idée un peu comme ça de blocage, tout simplement, mais qui peut se retrouver dans plus. Donc, tous les domaines, j'espère pas, mais dans un domaine en particulier pour chacun de nous, en tout cas, il y a eu quelque chose qui nous a freiné. On voit qu'on se débloque, on voit qu'on n'a plus envie de se battre. C'est le message aussi que j'ai eu, j'ai plus envie de me battre, j'ai envie de déposer les armes et j'ai envie d'être dans le cœur, j'ai envie d'être dans la douceur, j'ai envie d'être dans la paix, dans l'harmonie, dans l'amour. J'ai vu aussi que ça, c'est plutôt au niveau relationnel, je me bats plus. J'ai plus envie d'être dans le combat, j'ai plus envie d'être dans la défense à outrance. Mais par contre, dans le professionnel, j'ai le message que pour nous, les signes d'eau, on est vraiment, vraiment concentré sur notre carrière, sur le professionnel, sur ce qu'on veut mettre en place, peut-être à titre individuel déjà, pour trouver finalement cette paix, peut-être cette harmonie, cet amour à travers ce qu'on fait. Ce qu'on met en place déjà pour nous au niveau professionnel ou au niveau de nos passions. Ça peut être, vous avez des passions, vous faites des compétitions en haut niveau, vous ne voulez plus être dans l'agressivité et dans « je me bats », mais plutôt « je fais les choses par amour » et c'est comme ça qu'on réussit d'ailleurs. Je mets plus d'amour et de cœur à l'ouvrage. Mais on est très déterminé, on est persévérant. Quand je vous disais qu'il y a ce côté, on est encore un peu bloqué, parce que j'ai vu le 9 de bâton. Le 9 de bâton est ressorti plusieurs fois. 9 de bâton, c'est... On est au milieu encore quand même des complications, des difficultés. Elles sont amoindries, il y en a moins. Mais malgré tout, il faut encore planter le 9e bâton pour arriver au 10e bâton, puis clôturer ce cycle enfin et pouvoir vraiment s'épanouir à travers ce travail, cette passion. Ça peut être au niveau sentimental hein, aussi. Ça peut être que vous vous battez pour votre couple, ça fait des années que vous êtes ensemble et puis il y a eu trop d'efforts à fournir, trop de complications, mais vous tenez le coup et vous voulez vraiment, vraiment que ça fonctionne. Mais principalement, je l'ai senti au niveau carrière, finance, matériel, vie matérielle. On lâche rien. On lâche rien. On est combattant. Mais combattant, encore une fois, dans le sens avec plus d'harmonie, plus de douceur dans notre combat. C'est pas un combat acharné, agressif. C'est plutôt vraiment... Je continue mes efforts, voilà. Et puis, il y avait une notion de... Alors, sagesse d'ordre, en fait, de structure. Je mets de l'ordre, je mets de la structure, je fais les choses. Je suis OK aussi sur le fait que je vais faire les choses pas à pas. Je vais respecter les étapes. Je vais être consciencieux, méthodique. Voilà, il y a une idée un peu comme ça. D'où le fait qu'on lâche un peu le côté combat qui est plus impulsif. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le combat, c'est vraiment on va, on fonce dans le tas. C'est impulsif. Non, on a lâché ça. Et on est plus dans une structure, quelque chose de méthodique. On fait les choses pas à pas, étape par étape. On sait qu'on est en train d'évoluer. On ne lâche pas. Du coup, ça nous débloque quelque part. De mettre ces petites étapes, de faire ces petits pas, ça nous débloque. Voilà ce que j'ai capté. Donc maintenant, on va aller voir donc, la dernière quinzaine d'octobre. Déjà, j'aimerais voir comment elle vous a traversé les signes d'eau, cette énergie du portail. Donc le portail qui était hier, jeudi 10-10-2019. Comment ce portail vous a traversé? Alors, les signes d'eau, ce portail énergétique.
Ok, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça revient un petit peu à ce que je ressens dans les énergies. Donc je pense que c'est lié à ce portail. En tout cas, ce portail vous a boosté là-dedans. On voit ici, donc déjà, bon, pentacle. Quand on parle de denier, donc en version française, c'est les deniers. Quand on parle de denier, c'est la vie concrète sur Terre. Notre vie concrète, on s'est reconnecté. Pourtant, les signes d'eau sont quand même des signes plutôt dans leur imagination, plutôt dans leur émotionnel, plutôt introverti, plutôt dans leur sensibilité. Et là, on voit qu'on est plus ancré sur Terre. Et avec le 6 de Pentacle qui nous parle de partage, de, je vous disais, on a envie d'être plus dans une certaine harmonie avec les autres, le relationnel, on a envie qu'il soit plus doux, plus fluide. Et du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a ici, donc on a ici tout ce qui est générosité, on a en dessous ce roi d'épée dont ce tarot-là est représenté par le dieu de la sagesse. Donc vraiment une notion de sagesse, je ressens beaucoup plus de calme, moins de combat encore une fois. Là, c'est la générosité, on s'ouvre à l'autre. Peut-être que les signes d'eau, de par notre sensibilité, on a tendance des fois, si on a été trahi, si on a été blessé, si on a été déçu, il y a une notion de déception peut-être, on a tendance à se recroqueviller sur nous pour se protéger. Et là, on se réouvre à la possibilité de partager avec l'autre, de rentrer en réunion avec l'autre. Ça peut être par une association professionnelle, ça peut être s'autoriser d'aller dans un couple avec le 6, on peut parler aussi d'amour. Le 6 nous parle aussi de beauté. J'en parle beaucoup dans mes tirages en ce moment. J'ai l'impression qu'on est vraiment poussé. Donc ce portail énergétique peut-être nous pousse à nous aimer, à aimer notre beauté, à nous voir beau dans le miroir, à apprécier les atouts qu'on a, les qualités qu'on a physiques. Franchement, parce que dans les deniers, on parle de physique, de vie terrestre, de vie palpable, de vie concrète. Et puis là, on nous parle de... alors, ça peut être une thérapie, mais on voit un petit moine qui écoute les enseignements de son, on va dire, son maître spirituel, mais c'est en tout cas quelqu'un qui est très expérimenté, qui a du vécu, qui a de la bouteille, qui peut partager, de par ses expériences, ce qu'il en a déduit, ce qu'il a appris, comment ça l'a rendu, du coup, sage, comme ici. On sort de la colère, vous voyez, le combat, le prince de bâton, on était plutôt dans le combat. On avait trop de responsabilités peut-être aussi, on était peut-être dans le combat, mais là on sort de ça. On est beaucoup plus sage, on est plus méthodique avec les épées, on est plus structuré, plus méthodique. Et on est plus à l'écoute, alors pour certains ça va être par le biais d'une thérapie, pour d'autres ça va être par le biais de guidance sur YouTube, des chamans qui parlent de leur expérience sur YouTube, ça peut être des médiums qui donnent des conseils au niveau spirituel, élévation spirituelle, ça peut être des livres que vous lisez. En tout cas, on sent qu'il y a un apprentissage spirituel, mais, voyez, comme on est dans les deniers, ce que je trouve génial là-dedans, c'est que j'ai le sentiment qu'on est en train de spiritualiser la matière, c'est-à-dire que notre force, nous, les signes d'eau, on a cette force intérieure, cette capacité de voir l'invisible, de voir au-delà des apparences, de ressentir les choses de manière beaucoup plus puissante que les autres parce qu'on est vraiment dans l'intérieur. On voit le sens derrière chaque chose physique, chaque chose palpable et concrète sur Terre. Mais on a tendance, des fois, les signes d'eau, à laisser un peu, peut-être ne pas s'enrichir dans la matière, ne pas construire dans la matière, ne pas s'engager dans la matière, parce qu'on est tellement dans l'imaginaire, dans le spirituel ou dans le côté yin, dans le côté émotionnel, que du coup on a du mal sur Terre à être, peut-être parce qu'on ressent, avec notre hypersensibilité, on ressent tellement trop les choses qu'on se met en recul, mais du coup on a du mal quand même à se mettre sur Terre, à s'ancrer, voilà. Et là, ce qui est beau, c'est qu'on a décidé de mettre quelque chose. En tout cas, ce qu'elle nous dit, cette énergie de ce portail, c'est de spiritualiser tous nos acquis, tout ce qu'on a acquis au niveau intériorité, toute cette force qu'on a acquise par notre sensibilité, on va pouvoir s'en servir, mais pour construire dans la matière. Donc, on s'est réancré dans la matière. Donc, je trouve ça super beau. Le petit conseil que je vous donnerais, c'est faire de l'ancrage. Alors, l'ancrage, ça peut se faire par le biais de la méditation,
ça peut se faire. Alors, on m'a dit récemment, j'aime bien partager mes conseils, on m'a dit récemment que, et c'est vrai que moi je faisais, j'aimais bien faire la méditation à travers les audios, forcément. J'allais sur YouTube et je mettais une guidance pour, enfin une guidance, ouais, quelqu'un qui me guide au niveau de la méditation. Donc il y a une petite musique et il y a une voix qui nous dit voilà, d'imaginer qu'on ancre son corps sur terre et puis, bref, on ressent ses orteils et puis, bref. Et j'ai appris récemment que ben, l'audio, en fait, ça ouvrait, du coup, on était concentré sur l'extérieur, du coup. On n'était pas dans une totale intériorité puisqu'on mettait en action l'ouïe, en fait. Du coup, ce que je vous recommande, en tout cas, ce qu'on m'a recommandé, je vous partage cette info, j'ai oublié l'autre auteur, mais on m'a recommandé donc Mathieu Ricard. Moi, j'ai son livre qui est « L'art de la méditation ». Je l'ai appris, je parle au cas où pour les scorpions ici, parce qu'on a cette problématique avec la mort, les scorpions, on a vraiment, déjà on est représenté par la mort dans le tarot de Marseille, et puis on a cette, alors soit on est fasciné par la mort, moi j'ai l'impression que les scorpions on est un peu fasciné par la mort d'un côté, d'où le fait que beaucoup on soit médium, on soit un peu dans l'ésotérisme, on s'intéresse à tout ce qui est médiumnité, monde invisible, le côté un peu dark de la vie en fait. L'au-delà, les expériences de mort imminente nous intéressent, à nous les scorpions. Et puis, il y a aussi le côté, en même temps, qui nous effraie. La mort, c'est quelque chose qui nous effraie énormément. La mort des autres, la mort de nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser. Enfin, on a une grosse frayeur, un rapport avec la mort. Mais bon, tous les signes d'eau, sincèrement. Tous les signes d'eau. Autour de moi, j'ai des poissons et des cancers qui me disent qu'ils ont extrêmement peur. Alors, eux, vous me direz dans les commentaires. Moi, en tant que scorpion, c'est plus la mort de mes proches. Et puis, j'ai des cancers et des poissons autour de moi qui me disent « Non, non, moi, c'est le néant. C'est le néant de ne pas savoir ce qu'on va être après, qu'on va nous oublier, qu'en fait, on n'est rien sur Terre. » Enfin, il y a un côté comme ça chez les signes d'eau, on se pose énormément de questions. Je vous dis ça parce que moi, du coup, j'ai acheté le livre « L'art de la méditation » parce qu'il y a une méditation sur la mort que pour l'instant, moi, je n'ai pas encore réussi à faire parce que c'est quelque chose qui m'effraie. Mais peut-être que vous, ça vous parlerait. Méditation sur la mort, c'est pour lâcher un peu. Le fait de méditer quand on est face à notre plus grande peur, souvent les gens, vous savez, qui ont très 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 peur toute leur vie, les hypochondriaques par exemple, qui ont peur toute leur vie d'avoir un cancer. Je donne un exemple, le jour où ils ont le cancer, ils ont comme c'est hyper paradoxal, hyper bizarre, mais ils ont comme un sentiment de soulagement qui est hyper bizarre. Mais en fait, ils ont tellement eu peur de quelque chose qui n'était pas palpable, du moment qu'il devient palpable, que ok, bah il est là. Alors c'est horrible, hein, c'est triste ce que je dis, c'est terrible, mais ça a été prouvé que des gens qui ont le cancer alors qu'ils ont eu peur toute leur vie, le fait qu'ils soient là, c'est comme si c'est quelque chose qu'ils peuvent maîtriser maintenant. En tout cas, c'est quelque chose qui est là. C'est comme si ça ne peut pas leur tomber dessus d'un moment à l'autre, ils ne le maîtrisent plus, il y a une notion de contrôle hein, peut-être là-dedans. Mais je vous dis ça pour vous dire que la peur, la plus grande peur, c'est la peur elle-même en fait. Ce n'est pas le sujet de la peur. Et le fait de faire une méditation sur la mort, des fois, nous apaise au sujet de la mort. En tout cas, moi, c'est le retour que j'avais eu par rapport à cette méditation de la mort que moi, je n'ai pas encore réussi à mettre en place personnellement. Mais voilà, je vous le dis. En tout cas, pourquoi je vous disais ça ? Peut-être faire de la méditation pour vous ancrer, voilà. Pour d'autres, ça va être... moi, personnellement, ça va être à travers le sport. J'ai l'impression d'être vraiment ancrée quand je suis dans le sport parce que je suis déconnectée de mon mental, vraiment. Le self-défense, j'en parle beaucoup, la boxe, le self-défense, moi je fais du self-défense. C'est vrai qu'on est tellement, justement on doit se défendre, on doit être extrêmement vigilant, on doit être vraiment à l'affût du moindre coup qu'on peut avoir, et c'est vrai que ça nous déconnecte vachement des problèmes de notre passé, de tout ce qui cogite dans nos têtes. Donc voilà, moi ce serait le petit conseil aussi. Et puis marcher dans la nature, être attentif à par exemple, évitez quand vous êtes au volant d'être sur votre Bluetooth et au téléphone ou en train d'écouter des guidances, par exemple. Essayez d'être vraiment, couper la musique et entendez le chant des oiseaux. Regardez, essayez de rentrer en contact avec les gens qui marchent sur le trottoir, leur regard, leur façon de marcher. Soyez attentif aux messages, à la vie, à l'instant présent, parce que c'est l'instant présent en fait. C'est vraiment l'instant présent qui nous ancre. Très difficile pour nous les signes d'eau, franchement. Mais c'est l'instant présent qui nous ancre au moment présent. Donc, encore une fois, un conseil qu'on m'a véhiculé récemment, c'est être conscient quand on fait sa vaisselle. Moi, j'ai tendance à écouter des trucs, à mettre la télé, à mettre la musique à fond. Non, bah, être conscient du bruit de l'eau qui coule, de la sensation de l'eau sur nos mains. Je sais pas, être conscient à chaque instant quand on prend sa douche, être conscient de son corps, de chaque partie de son corps.
être à l'instant présent pour spiritualiser la matière. J'ai l'impression que c'est ça le message de ce portail spirituel, énergétique. Pour nous, les signes d'eau. Donc, je trouve ça génial. Et c'est pour ça qu'il y a une notion d'apaisement. On n'est plus dans l'imagination et donc ayant une frustration parce que dans la matière, il n'y a rien qui bouge, où il y a, on n'y met pas assez d'énergie, donc du coup, on n'a pas assez de finances, on n'a pas assez de stabilité. Et peut-être ça, pas assez d'ancrage du coup. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. C'est que ce n'était pas important. Ok, maintenant je vais aller voir juste cette pleine lune et après on passe aux guidances. Mais je trouvais important de dissocier chaque élément, signe d'air, signe d'eau, enfin bref, comment ça nous traversait ces énergies importantes de cette fin de mois d'octobre, parce que comme je le dis tout le temps, c'est hyper important, là, la fin d'octobre, c'est le bout du tunnel pour moi. Je voulais vous dire aussi, très important, je vous partage aussi un truc que j'ai mis en place. Comme j'ai découvert qu'au niveau collectif, il y avait le karma qui jouait beaucoup en ce moment. On est en train vraiment de se nettoyer d'un karma lourd, quelque chose de vraiment puissant au niveau de nos mémoires karmiques, en gros. J'ai découvert quelque chose. Et j'ai trouvé ça super. Bon, je l'ai découvert il y a déjà un mois et demi. Et sincèrement, je l'ai fait, donc je vais vous expliquer, mais je l'ai fait vraiment, sincèrement, dans le but, je suis hyper curieuse, donc je l'ai fait vraiment dans le but d'essayer. Voilà. J'ai eu des résultats de dingue. Mais vraiment des résultats de dingue. Et en plus de ça, ce que j'ai trouvé génial, c'est que ça a touché aussi, sans que je leur dise, des membres de ma famille. Il y a eu un impact, quelque chose qui s'est passé. C'est assez subtil, hein, je ne dis pas que notre vie change complètement du jour au lendemain, et je ne l'ai fait que pendant 5 jours. Mais au bout de 5 jours, déjà, j'ai vu un changement chez des membres de ma famille qui m'ont fait des retours sans savoir que moi, je faisais ça en parallèle. Donc ça s'appelle, c'est une vidéo que j'ai découverte, et ça s'appelle Karma Libre. Je ne veux pas faire de la mauvaise pub parce que ça peut être très très bien, hein. Je dis pas ça. Je voulais juste vous dire, en fait, moi j'ai rien acheté, je me suis pas abonnée, voilà. Je vous conseillerais, et c'est pas pour, comment dire, c'est pas bien ce que je fais, parce que je veux pas vous dire n'achetez pas. Si ça vous parle, faites-le. Je crois qu'il y a, je crois que vous pouvez acheter un pack, enfin, faites-le si ça vous parle. Mais moi, en tout cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté, donc il y a une vidéo, je vous la mettrai en bas de cette vidéo, il faut que j'y pense. Je vais le mettre en bas de chaque vidéo. Karma Libre, c'est un monsieur, j'adore son énergie, qui, c'est des phrases à répéter. Alors, c'est hyper perché, hein, je vous l'accorde, c'est hyper, enfin voilà, on n'a pas l'habitude de faire ça. Moi, je l'ai fait le matin, au réveil, histoire de ne pas avoir été encore embarqué ouais, dans mon mental, qui cogite, tout ça. Et vous répétez ces phrases. Alors, il dit bien de chuchoter éventuellement ces phrases, mais pas de les garder dans sa tête, parce que quand vous faites marcher vos cordes vocales, il y a une énergie qui se fait. Vous répétez ces phrases tout simplement en conscience, essayez de bien respirer après chaque phrase pour capter ce qu'il dit. Bref, moi je l'ai noté, j'ai noté chacune de ces phrases, donc cette vidéo elle est complètement gratuite, je vous mettrai le lien sous la vidéo, et vous répétez ces phrases. Bref, vous me ferez un retour s'il vous plaît, si vous le mettez en place. Je trouve que c'est génial de le faire en ce moment, en tout cas à partir là, de ces énergies de la pleine lune, parce que c'est une introspection quand même, la pleine lune à la base. Et puis, je sens qu'il faut vraiment nettoyer des choses du karma, qu'on est prêt à le faire, qu'on tranche avec des choses. On est encore dans l'énergie de la balance, je crois. Je n'ai pas encore rentré dans l'énergie du scorpion. Donc, c'est le moment. Franchement, c'est le moment. Faites-le et dites-moi dans 20, 21 jours. Je vous conseille 21 jours. Voilà, c'est 21 jours. Essayez de voir si vraiment ça vous... Dites-moi en tout cas dans les commentaires. Moi, j'ai vu des changements. Donc là, je le reprends. Je vais le faire là pour autre chose. Et vous pouvez le faire pour la confiance en soi, vous pouvez le faire pour le sentiment de culpabilité, pour... Bon, les messages vous viendront. Moi, au début, j'ai commencé par quelque chose, et puis finalement, je me suis réveillée un matin en disant « Non, le vrai problème, c'est pas ça. Ça, c'est finalement le problème que j'ai dans la matière, mais le noyau, en fait, c'est autre chose, c'est ça, en fait. » Bon. Bref, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Du coup, je vous mettrai ce lien, et surtout, buvez énormément d'eau quand vous le faites, parce que vous travaillez sur des mémoires, vous travaillez sur... votre corps énergétique, qui est composé de, je crois, 80% d'eau, il me semble, le corps humain. Ne me lancez pas la pierre, hein. Franchement, si je me trompe, je crois que c'est ça. Mais en tout cas, on est composé de beaucoup d'eau. Donc, buvez beaucoup d'eau. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ben, c'est tout. Et cette pleine lune, parce que j'ai eu ce message, mais j'ai déjà eu avant, je vais vous le décrire. Voilà, c'est tout. Je suis la pipelette de YouTube, ben oui. Voilà. Alors, cette pleine lune pour les signes d'eau. Ok, j'adore. Ok, j'adore.
Alors, ça, ça n'a rien à voir avec la pleine lune, c'est notre énergie et je l'ai vu 3 fois tomber juste avant que je me connecte à cette vidéo, que je fais dans l'ombre quand je vous ai dit, j'essaye de vraiment me connecter à vos énergies avant de mettre la vidéo en ligne. Donc, je l'ai eu 3 fois. Ça nous parle de réussite et encore une fois, une réussite dans la matière. Le chariot nous parle de plusieurs choses et j'adore cette énergie du chariot parce que déjà, ça nous parle de « on va de l'avant ». Rappelez-vous, on l'a eu dans le scorpion. Alors, désolé, c'est vrai que je parle beaucoup du scorpion. Je vais arrêter. Mais juste, je voulais dire, on l'a eu, nous, les scorpions, dans... Je crois que c'était juin. Juin, juillet, on avait cette énergie. Je vous disais, ah là là, mais c'est bon, maintenant, on recule plus. Donc, ce premier message, c'est, nous, les signes d'eau, là, on va vraiment, on se retourne plus. Il y a une notion de, on va de l'avant. On ne se retourne plus. On a clôturé un cycle, on est en train de le clôturer, ce cycle, où il y avait trop de responsabilités, trop de combats. Regardez comme il est. Il n'en peut plus. Il y a un côté aussi de colère, d'acharnement. C'est vraiment ce combat où je vais me battre pour défendre mes droits, je vais me battre pour... enfin bref, trop de combats. Sincèrement, trop de combats. On n'en peut plus. On est aussi retenu. Il y a cette idée de pour plaire aux autres, pour... je ne sais pas, parce que des gens donnent leur avis, croient mieux nous connaître que d'autres. Nous, les signes d'eau, on est incompréhensibles. Des fois, on a du mal à nous cerner. Donc, les gens pensent, et souvent, c'est par bienveillance, ils pensent que leurs conseils sont bien adaptés. Et souvent, nous, les signes d'eau, vous me dites dans les commentaires, mais moi, je le ressens. Des fois, j'ai envie de dire, mais ils ne me comprennent pas. Ça n'a rien à voir. Nous, les signes d'eau, on a une manière de faire que les autres éléments ont du mal à capter. Parce que, encore une fois, on voit les choses... différemment, on a une vision des choses tellement plus, pas plus dans le sens où on est meilleur, mais différente, voilà, différente. On a une vision, on a la vision invisible, on fait les choses un peu, faut le dire, différemment des autres. Donc les conseils extérieurs ne sont pas toujours les meilleurs et ils sont certainement avec de belles intentions, mais des fois on doit se battre contre la famille, les amis, pour oui, je pars à l'autre bout du monde, oui, j'ai pas de plan, mais c'est pas grave, je me fais confiance, un truc comme ça. Voilà. Et on en a marre de tout ça, en fait. On clôture ce cycle. Il est en dos de deck. Pour moi, il est en fin. Vraiment. C'est pas par hasard que j'ai levé, voyez, dans cette coupe-là, le scorpion, l'énergie de la mort. Alors là, pas pour dire le scorpion, pour l'énergie de la mort. La fille, elle se justifie tout le temps. L'énergie de la mort, on rentre dans l'énergie du scorpion, là, bientôt. C'est ça que je voulais dire. Donc, c'est encore là. Attendez, soyez patients. On va rentrer dans l'énergie de la mort, vraiment, où on va se transformer et avoir un renouveau. On est encore un peu là-dedans, dans ce besoin, ce stress, ces responsabilités, ce « j'en ai plein d'eau, j'en peux plus, je suis fatiguée ». On est encore un peu là-dedans. C'est le bout du tunnel, je le dis tout le temps. Mais on a décidé cette fois d'aller de l'avant. Donc, premier message du chariot, je vais de l'avant. Je ne me retourne plus. Vous voyez, lui, il montre du doigt devant lui et il est franc. Il regarde ni à gauche ni à droite. Il est franc, il va de l'avant. Okay, il ne se retourne pas, il ne doute pas. Il ne regarde pas à gauche, droite. Non, il ne doute pas, il va de l'avant. Il y a un autre message super puissant. Vous voyez, il y a un petit ange. Encore une fois, c'est réussir. Le chariot, c'est réussir dans la matière, mais c'est une arcane majeure. Donc, en complète corrélation avec notre âme, avec notre mission de vie. C'est spiritualiser encore une fois la matière. C'est une réussite. Le chariot nous parle de réussite, d'accord ? Faite par nous-mêmes, d'accord ? C'est pas tombé du ciel, c'est par nous-mêmes, d'accord ? On maîtrise notre côté yin, notre côté yang. Ces deux chevaux ici, c'est notre côté yin, notre côté yang. On trouve un équilibre entre les deux parce que pour rester tout droit, il va falloir être ferme autant à gauche qu'à droite, nourrir autant notre côté yin que notre côté droit, notre côté yang, pour que les chevaux aillent dans le même sens. Donc, c'est hyper difficile à faire. On a fait un cheminement avant, on est déjà au 7. Mais voilà, on a réussi. Et on va tout droit, on ne recule plus, on ne doute plus, on ne regarde plus à gauche et à droite, et en plus, on est soutenu. On est soutenu parce qu'on s'est reconnecté à notre âme. Comme on est complètement en lien avec nos chemins de vie, notre âme, ce que notre âme inspire à vivre, la vie va être beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus simple quand vous êtes dans votre chemin de vie, quand vous êtes à l'écoute de votre âme. Tout, je suis sûre que vous l'avez tous vécu à un moment dans votre vie où tout coule de source, tout roule. Vous rencontrez les bonnes personnes au bon moment, vous avez les bons accords financiers au bon moment, vous avez les je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être ah mince, j'ai plus d'argent, mais vous êtes sans stress, j'ai plus d'argent, il faut que je m'achète
Oh, j'ai plus d'eau à la maison, j'aime pas l'eau du robinet. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Franchement, je dis des bêtises des fois, mais il me faut ma bouteille d'eau. Allez, bam, 3 secondes, vous dites, bon, bah, tant pis. Vous allez sous la douche et en allant sous la douche, vous croisez un... Bah, vous aviez laissé 10 euros dans un... Enfin, vous voyez qu'il y a 10 euros qui dépassent d'un vêtement. Tout roule. En fait, il y a toujours un truc. Vous êtes en stress pour aller à un rendez-vous, vous avez trop de choses à faire et finalement, ce rendez-vous, ça ne vous arrange pas. Bam, la personne vous envoie un message, vous dit ça ne te dérange pas qu'on décale. Tout coule de source. Tout coule de source. C'est ça qui va nous arriver. Parce qu'on est enfin, nous les signes d'eau, on est enfin en train de mettre en place une réussite en accord avec notre âme. Donc réussite, réussite en accord avec notre âme. Cette carte aussi dans ce tarot apocalypse nous dit, et j'aime beaucoup cette phrase, c'est mêler. Le rêve à la réalité. Quand le rêve, nos rêves, tout ce qu'on a rêvé de réaliser sur Terre se réalise, en fait. C'est un peu ça. Mêler le rêve à la réalité. Réussite, on est guidé. On est vraiment guidé. Hein. On est soutenu. On est soutenu parce qu'on a tout simplement écouté notre âme. C'est pas qu'on est plus aidé que les autres. C'est que tout simplement, on s'est reconnecté à notre âme en allant dans cette authenticité, dans cette douceur. Donc du coup, on est forcément guidé. Et c'est magnifique. Les énergies de la pleine lune nous disent « Suis tes convictions. » Lui, il lève. Alors, j'ai découvert récemment que c'était un serpent. Donc, cette notion de changer de peau dans les énergies de cette pleine lune. On va changer de peau. On va être une nouvelle personne, une nouvelle... Forcément, vu qu'au niveau collectif, on tranche, on s'allège au niveau de la justice pour aller dans l'énergie de la mort où on transforme tout et on renaît. Forcément, on renaît, on est un nouveau-né, on a changé de peau, on s'est débarrassé de plein de choses. On est comme dans une purification quand on fait, vous savez, une détox, par exemple. On est différent, notre peau est plus lumineuse, on est moins fatigué. Bah oui, on a allégé notre foi. Enfin bref, bah, c'est un peu ça qui va se passer au niveau spirituel, au niveau énergétique. Mais on vous dit de compter sur vous, très honnêtement. Les signes d'eau, n'écoutez, j'ai envie de vous dire presque, n'écoutez que vous. Soyez dans une quête spirituelle avec des sages. En fait, entourez-vous bien, comment dire, soyez ouvert, mais sélectionné. C'est-à-dire, vous avez un psy, ou vous avez un maître spirituel, ou vous suivez quelqu'un sur YouTube, essayez de vraiment, voilà, j'ai choisi ces deux personnes pour les guidances sur YouTube. J'ai choisi tel maître spirituel que j'écoute, enfin que je suis, qui a une organisation, que j'aime bien, et je fais tel... comment dire ? Vous voyez, ne pas écouter trop de choses, il y a cette notion-là, ne pas écouter tout le monde, ne pas écouter trop... Sélectionner, d'accord ? Vous êtes très intuitif, donc vous saurez qui il faut, mais essayez de minimiser, parce qu'après ça va vous embrouiller, au niveau des conseils, au niveau des guidances, au niveau de votre évolution spirituelle, d'accord ? Mais surtout, faites-vous confiance à vous. À vous. Et puis, on a deux fois le 7. Le 7 dans une arcane majeure, et ça n'est pas la première fois, le 7 dans le 7 de bâton. Donc, on nous parle, le 7, c'est un chiffre de spiritualité et un chiffre de chance. Donc, on va vers une chance et on va vers une élévation spirituelle. On va spiritualiser la matière, réaliser nos rêves, en tout cas, les inspirations et les rêves de notre âme sur Terre. Voilà. Je passe à la guidance. Désolée. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis pipette. Alors, ok. Donc encore une fois, je suis désolée, mais on est très spirituel. Hein. Il y a quelque chose qui se passe avec... encore une fois, le hiérophante, donc c'est quelqu'un qui nous soutient. On est protégé, ça peut être au niveau spirituel, ça peut être autour de nous. On est protégé, on est guidé. Une notion de méditation, hein, très honnêtement. On a un éclairage, j'ai l'impression. On a une illumination ici, regardez. C'est comme si, en fait, vous savez à quoi ça me fait penser au... Alors là, c'est super bizarre, ça me fait penser aux poupées russes. Lui, qui est fatigué, qui représente notre carapace, tout ce qu'on a, voilà, les mémoires karmiques, tout ce qu'on est aujourd'hui, finalement, qu'on était encore il y a 2 mois, on va dire, juste avant de rentrer dans ce nouveau cycle. Je vous disais, on sera un nouveau-né, on aura un nouveau départ, une nouvelle vibration énergétique, d'accord ? Et bien, j'ai l'impression que là, c'est... Celui qui est fatigué, un peu épuisé, voilà, qui avait beaucoup de responsabilités, qui était dans sa carapace, donc il a un teint un peu fatigué, un peu vieilli, un peu ridé. Bon. Et puis plus on se recentre, plus on va dans sa spiritualité, et plus on rajeunit. Cette idée de régénération, finalement. Comme
les poupées russes. On enlève la première carapace, la deuxième couche, voyez. Et lui, du coup, il a une illumination. D'une part parce qu'il a fait une introspection, donc du coup, il n'écoute plus les autres, il s'est connecté à lui. Lui, il a imaginé, il a un peu imaginé ce qu'il pouvait mettre en place. Il y a la loi de l'attraction peut-être ici. Et lui, bam, il y a cette révélation. Pour moi, il y a une révélation. Mais grâce à vous, grâce à votre introspection, ou grâce à quelqu'un, parce que le hiérophante, c'est souvent une personne, soit un ancêtre qui vous soutient spirituellement, qui est là autour de vous et qui vous guide, soit par quelqu'un autour de vous qui vous guide, tout simplement, mais dans la matière, dans le monde physique, vous êtes suivi par quelqu'un, peut-être, et vous avez une illumination. Regardez, vous avez une illumination. On a une illumination, on a quelque chose qui nous dit, tiens, c'est ça. C'est ça que je vais mettre en place, c'est ça que... je sais pas, une illumination, ça peut être une révélation de quelqu'un aussi. Au niveau sentimental, au niveau professionnel, vous apprenez quelque chose, mais c'est quelque chose de bon, qui vous apporte de la lumière. Vous voyez ? Oh, j'adore cette carte. Je ne l'avais jamais vue sous cet angle, en fait. Il y a aussi cette notion, pour moi, on va réaliser, et je vous encourage à réaliser ça, même si ce n'est pas facile, plus on prend de l'âge, plus c'est difficile à réaliser ça, mais que la vie est un jeu. Voyez, lui, il est sérieux, en fait. Puis plus on descend, on enlève la couche, et plus on est neutre, et là, ding, on a... Alors, attendez, hop. On a un regard d'enfant, et je l'ai dit, hein, dans les énergies collectives du portail, ce côté, on va retrouver notre énergie de femme et d'homme de 20 ans, d'adolescent. Enfin, on n'est pas adolescent à 20 ans, mais on a cette belle énergie où tout est possible, où la vie est longue, on ne s'inquiète pas de perdre nos proches. Enfin, voilà, il n'y a pas toute cette inquiétude, ce lourd poids des responsabilités. Et pour moi, il y a une notion de voir le monde un peu plus comme un enfant, que voir que c'est un jeu, désacraliser les choses un peu. Et je vous encourage à le faire, c'est la base du bonheur, c'est de se rendre compte que tout est illusoire finalement, que c'est un jeu. C'est vraiment un jeu sur Terre. Le but, c'est d'être toujours, d'exprimer le meilleur de nous, mais ne pas en faire une affaire personnelle. Accord Toltec, si jamais. Ne pas en faire une affaire personnelle. Ne pas s'identifier aux choses. Être comme le fou dans le tarot de Marseille. Vraiment celui qui ne s'accroche à rien, qui ne se définit nulle part et qui... Moi, j'adore le fou. Pour d'autres tarologues, c'est vraiment une énergie un peu trop instable. Mais moi, j'adore le fou parce que c'est vraiment l'âme qui n'a pas de croyance, qui n'a pas des principes, il faut en avoir, mais pas qui vous enferment, en fait. Du moment que vous faites de mal à personne, faites votre vie, soyez libre, soyez heureux. Du moment que ça n'impacte pas sur les autres, soyez heureux. Il n'y a pas de raison, que la vie est courte et franchement, profitez-en. Il y a une idée un peu comme ça. Voir la vie comme un jeu. Donc, peut-être aussi cette notion de déclic. De déclic, de révélation de quelqu'un d'autre, de vous-même à l'intérieur de vous. On quitte, je l'ai eu aussi juste avant ma vidéo, celle-ci, le 6 d'épée, on quitte en fait tout ce qui nous... Phase de transition, encore une fois, c'est pas vraiment, on a complètement nettoyé on n'est pas complètement sorti de ce cycle infernal où c'était difficile, mais prise de tête déjà, on change. Alors pour certains, c'est à travers un voyage, à travers un déplacement, vous partez. Il y a peut-être une notion de déménagement aussi. En tout cas, il y a un déplacement pour moi, pour certains dans le monde physique, dans le monde matériel, il y a un déplacement. Quelque chose qui fait que vous allez lâcher une problématique, une prise de tête, des prises de tête, toutes ces épées-là qui nous fatiguent. Aussi, j'entends... Alors, elle est tombée comme ça, je vais quand même la mettre comme ça. J'entends aussi... Vous savez, les épées, c'est la communication avec les autres et j'ai vraiment le sentiment ici, les signes d'eau, qu'on me parle des avis extérieurs, ça vous fatigue. Ou en tout cas, ça vous... Et encore une fois, c'est peut-être des conseils qui partent d'une belle intention, qui sont bienveillants au départ, mais qui apparemment ne vous servent pas tant que ça et vous éloignent de vous-même en fait et de votre chemin de vie. Donc il y a peut-être cette idée de communication, j'arrête d'écouter les autres ou j'arrête de me justifier, ok. Il y a cette idée de se justifier, arrêtez de vous justifier, peut-être. Vous voulez être en paix par rapport à ça. Mais pour d'autres, voilà, il y a vraiment cette idée de déplacement, déménagement, quitter quelque chose, hein, quitter un travail, quitter un couple qui ne nous convient pas, quitter des habitudes, quitter des schémas, quitter quelque chose. C'était à l'envers, d'accord? Comme si, en fait, elle, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un
Ouais. C'est quelqu'un qui est dans l'action, c'est quelqu'un qui est indépendant. Voilà, en fait, c'est okay, c'est exactement ça. C'est l'indépendance qu'on veut me dire. Il y a une notion d'indépendance chez elle, très forte, très puissante, chez la reine de bâton. C'est vraiment celle qui, bah voilà, exactement. Elle, elle représente bien celle qui voit la vie comme un jeu. C'est celle qui jouit, je l'ai dit dans le portail énergétique, c'est celle de toutes les reines du tarot qui, pour moi, m'inspire vraiment, celle qui jouit des plaisirs à l'instant présent, qui se prend le moins la tête, d'accord, de tout le tarot, c'est celle qui se prend le moins la tête. La reine de deniers va se prendre la tête au niveau plutôt matériel, les finances, la carrière. La reine d'épée, parce qu'elle a été blessée, donc elle est en surprotection tout le temps, ou elle se protège, elle est méfiante. La reine d'eau, qui est représentée, nous les signes d'eau, en général, on est la reine d'eau. Trop sensible, enfin trop sensible, c'est pas péjoratif, mais notre hypersensibilité, notre fragilité fait que, bah oui, on est dans des prises de tête parce qu'on a toujours peur d'être blessé, on a toujours peur d'être trahi, on a toujours peur d'être prise, qu'on nous la fasse à l'envers, ou que les choses nous anéantissent. Elle, franchement, c'est la nana. Je dis la nana parce que c'est une reine, donc c'est la femme la plus... Oh là 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 là, mais vraiment, elle se prend pas la tête. Elle vraiment jouit des plaisirs de la vie, elle se sent belle, elle s'inquiète pas des finances, elle fonce, elle... Bon bref, j'adore moi l'énergie de la reine de bâton, et elle est à l'envers. C'est comme si en fait, pour moi, les avis des autres, ou nous, hein, nos autocritiques, c'est possible, nous empêchent d'être dans cette énergie d'indépendance aussi. D'indépendance, pas besoin de plaire aux autres. Enfin, en fait, je crois qu'on va arrêter, les signes d'eau, je ressens ça, on va arrêter... de se soucier, voilà, de se soucier. C'est pas arrêter de vouloir plaire aux autres. Je crois que ça nous appartient, les signes d'eau. On aime plaire aux autres. Franchement, si on est honnête avec nous-mêmes, ça va être difficile, en tout cas là, fin d'octobre, de lâcher complètement ça. Mais ce qu'on va lâcher, c'est la vie des autres, en fait. Oh là là, mais on va vivre pour nous, en fait. Et la vie des autres est... Ben, je sais pas, c'est pas la vie, c'est... On va plus se soucier des autres. On a ce besoin de plaire, oui, mais on va plus se soucier du qu'en dira-t-on, des autres. On va faire. Voilà, tout simplement. Et vous savez quoi? Encore une fois, c'est des messages que j'ai et que j'ai envie vraiment maintenant de vous partager mes messages. J'ai entendu parler, j'ai une amie italienne qui m'a parlé récemment et ça m'a fait le tilt. Je me suis dit, mais elle a tellement raison, d'une femme extrêmement connue que peut-être vous connaissez si vous... Ouais, c'est une italienne, hein. C'est une influenceuse, je crois, la plus connue au monde, une influenceuse italienne, donc qui peut paraître superficielle parce que son job, en fait, c'est fringues et tout ça, bref. Donc elle a plein de critiques parce que les gens disent qu'elle est superficielle, qu'elle se la pète, bon bref. Elle a 31 ans, cette femme-là, elle est extrêmement heureuse et épanouie, elle a une vie de rêve, elle voyage dans le monde entier, elle est multimillionnaire. Après, vie de rêve, bon bah voilà, je dis pas que l'argent c'est ce qui fait le bonheur, mais en tout cas, elle a une vie qui lui convient, elle a plein de followers, bref. Et en fait, dans une interview, elle a dit que tous les trackers, je crois qu'on appelle ça comme ça, les gens qui essayent de lui faire des commentaires négatifs, qui l'insultent, qui jugent son physique, ils jugent même ses enfants, le physique de ses enfants, enfin, c'est horrible, apparemment c'est de la méchanceté, mais horrible. Et elle a dit en fait, il la pousse à aller de l'avant. Et moi, je me suis dit, c'est un truc de dingue, comme quoi c'est une manière de voir les choses. La vie, c'est vraiment une manière de voir les choses. Elle se dit, c'est non, moi je vais justement aller de l'avant, ça me booste à aller de l'avant. Parce... Enfin, je sais pas, j'ai envie de vous dire ça. Peut-être les critiques, les jugements, la jalousie, les avis des autres, les gens qui veulent vous retenir, peut-être par amour, mais bon, ben en tout cas, foncez, essayez d'y trouver un moteur, de voir les choses sous un autre angle, peut-être. Peut-être une idée comme ça, peut-être que. Moi en tout cas, ça m'a permis de me dire, ah ouais, mais c'est vrai qu'elle est pas bête. Elle booste, elle va de l'avant et ça lui donne encore plus là. Et en fait, elle réussit même grâce à eux qui essayent de la rabaisser et de la freiner justement. Et je me dis, mais c'est vrai que à l'inverse, si elle se recroquevillait sur elle, si elle était mal, bah finalement, elle donne raison au mal. C'est pas ça en fait. Enfin, elle donne raison à des gens bah, méchants gratuitement en fait. Mais c'est triste, ça veut dire que le mal aura triomphé du bien. Vous voyez, il y a une idée un peu comme ça. Bon, j'ai adoré. Il y a aussi quelque chose qui est en gestation chez vous, hein. Il y a quelque chose, alors pour les femmes, peut-être on ira voir, pour moi, là on n'est pas dans un sentimental, je le dis quand même, il y a peut-être un homme de signe de terre qui, de votre passé, que vous attendez ou en tout cas que vous réfléchissez, je sais pas, on vous voit regarder sur cet homme de signe de terre, un homme bien accompli, stable financièrement, en tout cas stable, quelqu'un d'ancré, quelqu'un de, voilà, de peut-être un peu plus âgé que vous,
vous le regardez, bon, il y a cette idée-là, vous l'attendez, vous êtes dans une certaine observation avec cette personne. Sinon, ça nous parle vraiment quelque chose que vous avez déjà lancé pour prospérer. Donc, encore une fois, ancrage, avoir une vie beaucoup plus riche. En fait, il y a une notion de richesse sur Terre. Alors, ça peut être, en effet, au niveau de l'argent, il n'y a pas de honte à vouloir avoir une vie aisée, une vie financière, voilà, bien. Donc, peut-être que c'est ça, vous voulez vraiment... J'ai envie de dire, pour une fois, enfin, vous me direz dans les commentaires, mais comment on a peut-être été bloqué ces 10 dernières années, j'entends, enfin, j'ai envie d'être bien financièrement, j'ai envie de m'octroyer ce droit d'avoir... la possibilité de voyager quand je veux, de m'offrir ce sac Louis Vuitton que j'ai vu l'autre jour dans la vitrine, et oui, j'ai envie de me l'offrir, ben oui, ouais. Il y a une idée un peu comme ça, j'ai enfin envie d'avoir de l'argent, d'être propriétaire, de m'acheter cette super voiture, de m'acheter des Louboutins, bref, il y a une idée un peu comme ça, mais pour moi, vous avez déjà lancé un projet pour prospérer, pour avoir de la prospérité dans votre vie, pour avoir... pour être stable, pour être bien financièrement, pour briller, il y a une notion un peu de briller, mais pas pour plaire aux autres là, mais vraiment être dans quelque chose d'un peu plus luxueux, un peu plus beau, un peu plus esthète, un bel appartement, une belle maison, une belle voiture, de beaux habits, il y a une idée un peu comme ça. Donc un projet, voilà, que vous revoyez aussi, mais en tout cas vous avez déjà mis en place, on est dans le 3, donc dans des énergies de manifestation pour après les concrétiser dans le 4. Un peu les énergies de l'impératrice qui elle conceptualise et l'empereur va lui concrétiser. C'est un peu comme si on me disait qu'on lâchait un petit peu notre côté, ben là c'est, elle représente bien le poisson et le cancer, la grande prêtresse, la papesse, c'est quelqu'un de très intuitif, c'est quelqu'un, alors on va garder notre intuition, hein, mais encore une fois on va s'en servir dans la matière, on est plus connecté à la matière là, on est plus ancré. Donc on va plus réaliser des choses, encore une fois, spiritualiser la matière, on va faire les choses avec notre âme, donc c'est très bien, mais porté vers l'extérieur, on se soucie plus de notre vie matérielle maintenant. On lâche un peu ce côté, il y a aussi ce côté chez la papesse, le côté je me renferme sur moi, enfin pas je me renferme, mais ce côté, la papesse c'est quelqu'un d'assez froid, hein. C'est quelqu'un de très chaleureux quand on a brisé la glace, de très maternel, de très gentil, de très intelligente aussi. Elle a une intelligence émotionnelle, cette papesse. C'est quelqu'un de... Ah, ok, il y a aussi deux choses. D'accord, on me dit autre chose. Donc, on lâche peut-être ça, ce côté un peu froid. En gros, on se met sur Terre. On prend notre place sur Terre. Il y a une idée comme ça. Franchement, les signes d'eau, on se montre. Il y avait peut-être cette idée qu'on était un peu en recul, dû à notre sensibilité. Mais maintenant, on va se montrer. Ça y est. Et il y a un autre message, peut-être que pour certains d'entre vous, vous sortez des études. Vous avez beaucoup étudié, vous avez... voyez, lui, il est tourné pour moi, il retourne en arrière, il veut prospérer, il a travaillé sur... parce qu'elle, c'est celle qui étudie, qui lit des bouquins, qui se met en recul, en retrait, peut-être que vous avez fait des sacrifices pour... vous êtes mis en recul du monde, vous avez... éviter les soirées, éviter les sorties, dit non à des invitations, parce que votre but c'était de matérialiser quelque chose dans la matière. Et vous avez, bah, du coup, sacrifié des sorties, sacrifié du temps avec vos proches, peut-être, mais dans le but d'étudier vraiment correctement les choses, vous êtes en énergie de manifestation et on vous dit, vous allez réussir et ce que vous avez étudié va être prospère. Ça va durer dans le temps et ça va vous apporter une stabilité financière. Waouh! On va aller voir avec les oracles concrètement qu'est-ce qui va se passer pour les signes d'eau d'ici. Alors on va faire la semaine prochaine et la semaine d'après. Et ce week-end, allez, on fait ce week-end. Alors ce week-end, 2 cartes pour ce week-end. Pour les signes d'eau, 2 cartes pour ce week-end. Signes d'eau, 2 cartes pour ce week-end. On voit que je suis plus connectée à mon tarot, hein. Elle tombe plus facilement. Ok, waouh, j'adore. Deuxième carte. Ok. Ouais, j'allais vous dire, franchement, je vous jure que c'est vrai, je ne mens pas, j'allais vous dire, nouveau départ, oui, ensoleillé, plus lumineux, plus de liberté, mais
J'allais vous dire, c'est pas, je la sens pas complètement là. Franchement, il y a la mort qui doit arriver d'abord, sincèrement. Donc, la mort symbolique, bien sûr, mais j'ai pas l'impression que vraiment le tout nouveau départ où c'est bon, c'est la classe, on est débroussaillé de tout. Je vous ai dit, on est encore un peu dans le 10 de bâton, franchement. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place ce week-end, oui, mais c'est encore fragile. Pour moi, c'est encore fragile, j'allais le dire. Quand j'ai vu l'instabilité, j'ai dit oui. Ça peut être vous libérer d'un mariage, d'un couple, d'un travail, d'une amitié qui vous convient plus, que vous sentez toxique. Ça peut être tout et n'importe quoi. On est quand même là énormément, on est quand même trois signes, beaucoup de personnes, mais un nouveau départ, c'est vous qui saurez. C'est un nouveau départ, mais une libération aussi. J'entends vraiment une libération. On va prendre notre envol. Avec les petits oiseaux ici, on va prendre notre envol. Il y a une notion d'éclosion, on sort de notre cachette. Je vous disais, la papesse. La papesse, elle est plutôt introvertie, plutôt en retrait du monde, mais là, on est le roi de bâton, le roi de pentacle, le roi de denier. Le roi de denier, on le voit, il est charismatique, il s'impose, il prend sa place. J'adore. Je m'emballe toujours quand j'ai des belles énergies comme ça qui arrivent. Ouais, comme si, en fait, voilà, c'est ça. Ok, j'ai le message. Vous voyez, c'est encore là. Hein. On n'est pas là, nous. On n'est pas dans les petits oiseaux qui s'envolent. Pas encore. Donc, la naissance, elle pointe le petit bout de son nez. C'est pour ça, je pense, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on nous parle, c'est encore fragile, c'est encore instable. Attention. Attention, entre guillemets. En fait, on le voit poindre. Ce week-end, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va vous libérer. Vous allez en avoir envie. Il y a une éclosion comme un petit pépé, là, qui sort de sa cachette, en fait. Qui va... Il y a aussi avec les fleurs... Je sais pas, il y a une éclosion. De toute façon, je l'ai dit, c'est le printemps. Je sais que je passe pour une folle, mais c'est le printemps maintenant, c'est pas l'automne. Énergétiquement parlant, c'est le printemps. Et là, il y a le petit chemin. En fait, en gros, on voit, on commence, ça y est, enfin, à sortir de notre cachette et à capter le petit chemin. Comme si c'est... Vous voyez, on était sorti du mirage, donc il y a un petit chemin encore à faire, d'où l'instabilité. Mais ce week-end, on va capter. C'est peut-être là la révélation. On va savoir... Où on va? Quelle est notre lumière? Quel est notre envol? Quel envol on va prendre? Quelle étape on va mettre en place? Peut-être les 21 jours qu'on va mettre en place avec le karma, je sais pas. En tout cas, j'adore. On va commencer à voir et pour arriver vers une tranquillité. Alors ça, c'est ce week-end. Qu'est-ce qui va se passer? Je crois que vous savez quoi? Je vais couper la vidéo parce que sinon, c'est mort. Elle va jamais partir. Enfin, elle va se couper. Donc, je vais faire le sentimental sur une autre vidéo pour les signes d'eau. Semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer en deux cartes? Semaine prochaine, en deux cartes, qu'est-ce qui va se passer? Semaine prochaine. Oh là là, mais on adore ou on n'adore pas? On adore. Oh là là, elle a voulu sortir tout à l'heure, mais elle est restée dans le paquet. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? On n'est plus enfermé, on se débloque, les signes d'eau. Elle est tombée à l'envers. Vous êtes d'accord? J'adore. L'amour! En fait, vous savez quoi? Pour moi, encore une fois, l'amour, oui, mais amitié. Amitié, ça veut dire doucement. On va pas... On est encore fragile. Ne passez pas du froid au chaud, du chaud au froid d'un coup. D'accord? Là, pour moi, c'est la fin du tunnel. C'est la phase de transition. D'accord? On reste des âmes sensibles, les signes d'eau. Donc, n'allez pas... brut de décoffrage vers l'extérieur pour vous prendre un mur et vous recroqueviller pendant 10 ans encore. D'accord? Faites attention. Donc c'est pour ça que j'attire votre attention sur l'amitié. Moi, je pense que ce qu'on me dit là, alors ça peut être un nouvel amour et waouh, je vous le souhaite à tous les signes d'eau. Peut-être que la semaine prochaine, vous avez un nouvel amour. Pour moi, c'est nouveau. Sincèrement, je ressens des énergies nouvelles. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est un nouvel amour. Ou quelqu'un avec qui vous n'avez pas vraiment vécu quelque chose qui revient dans votre vie. C'est possible, mais je n'ai pas le retour. Peut-être quelqu'un d'étranger, qui vient de l'étranger, hein, qui fait un voyage. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Ok, en tout cas, moi ce que je ressens, surtout, c'est soit c'est un nouvel amour qui vous sort de votre cachette, qui vous sort de votre isolement, de votre déprime, un nouvel amour, ça nous... ça y est, on décompresse, on y va, on fonce, c'est génial. Avec les petits oiseaux de la nouveauté, c'est pour ça, je pense que c'est un nouvel amour. Si c'est physique, si c'est vraiment quelqu'un, enfin, je veux dire, si c'est un nouvel amour, si c'est un amour, pardon,
dans la matière que vous exprimez, qui vit, qui est palpable, une histoire d'amour, voilà, je pense que c'est nouveau parce qu'on a eu la nouveauté. Ou un renouveau avec quelqu'un de votre passé, c'est vous qui saurez. Mais on n'est pas dans l'amour. Voilà, ok. Non mais moi, je suis folle, je pense. Mais je sais, hein, pas besoin de me le dire dans les commentaires. On m'a déjà fait une remarque un jour que j'étais complètement givrée. Mais ça ne m'a pas vexée parce que c'est vrai que je le suis, en fait. Donc, bon. Bref, je me recentre. Et ben voilà, bref, je vous parlais de cet amour, mais moi ce que j'avais envie de vous dire, c'est on ouvre notre chakra du cœur. On était bloqués, nous-mêmes, on n'avait pas ouvert notre chakra du cœur. On ne voulait plus, on avait été blessés, on l'a nettoyé, on l'a purifié, je ne sais pas ce qu'on a fait. Pour tous, vous avez ben, votre manière de vous guérir, vous avez eu des... On est tous différents, vous avez eu en tout cas des choses qui sont venues là depuis mars, je vous dis qu'il y a des choses qui bougent. Et du coup, ça vous libère. Mais je pense que pour moi, c'est vous. C'est vous qui ouvrez votre chakra du cœur, mais d'abord en vous reconnectant à l'autre, en allant accepter des sorties, des invitations, en souriant dans la rue, en étant plus affectueuse et amicale avec les gens. Pas tout de suite, je me mets sur Tinder et je dis que je cherche l'amour de ma vie. En fait, c'est pas ça. Vous voyez ? Parce que j'avais envie de vous dire attention, attention, parce que faut pas y aller trop vite, en fait. Vous voyez ? Faut y aller doucement. D'accord ? Parce que vous êtes encore fragile. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire ça. Mais quand même, c'est magnifique. Troisième semaine pour les signes d'eau. Ok, il y a trop de cartes. Mais on veut vraiment parler de quelqu'un d'étranger ici, hein, très honnêtement. On me dit, j'ai l'impression que ce n'est pas le moment avec cette personne. Il y aura un retour, il y aura une ouverture. Il viendra peut-être cette personne avec un cadeau. Ça viendra de manière inopinée, enfin, vous ne vous y attendrez pas. C'est quelque chose d'assez, qui vient assez rapidement, en tout cas, assez rapidement dans le sens de manière où vous n'y attendez pas. Vraiment, spontané, bam, ça arrive. Pour moi, ça, c'est avec des cartes lumineuses, c'est comme par accident, mais avec des cartes lumineuses à côté, c'est quelque chose de positif. Quelqu'un avec qui vous êtes séparé, qui peut-être va faire un déplacement, un voyage. Je pense quelqu'un à l'étranger parce qu'on a vu l'étranger. Hein. Sincèrement, je pense ça. Qui vient avec un cadeau. Peut-être, il y a quoi comme anniversaire pour les scorpions? Peut-être votre anniversaire, cadeau d'anniversaire. Donc, c'est un retour du passé. D'accord? Pour moi, c'était tombé à l'envers. On me passe le message. On vous le dit, mais on vous dit, c'est pas le moment. Soyez patient. Mais ça se fera s'il y a un bébé qui est en train de... Si c'est en gestation, c'est bien qu'à un moment donné, il y a un bébé. Donc, il y a bien quelque chose. En plus, quelque chose normalement de stable et de bien. Un bébé, ça reste longtemps. Donc, quelque chose qui veut, mais attention, soyez patient. Peut-être juste rouvrez votre cœur, guérissez votre cœur, nettoyez votre chakra du cœur, soyez plus à l'ouvert des autres, mais faites-le pas à pas et lui viendra. Peut-être, c'est ça qu'on veut vous dire. Lui viendra ou elle viendra quand vous, vous serez déjà petit à petit, pas à pas, ouvert au monde extérieur, mais pas à pas. Parce que vous allez vous nourrir, du coup, à titre individuel, je le dis tout le temps, et comme ça, vous aurez un nouveau départ, avec cette personne peut-être. Donc, ok, troisième semaine, elle voulait vraiment sortir. Donc, il y a une ouverture, il y a quelque chose, pour moi, c'est de façon, deuxième semaine. Pour moi, c'est à la fin du mois d'octobre, début novembre, qu'on a vraiment le nouveau départ, sincèrement. Ok, alors peut-être que c'est au niveau de travail. Alors, pourquoi l'enfermement ici? La chance, elle n'est pas complètement tombée, elle s'est retournée. J'ai peur que la vidéo coupe, c'est pour ça que j'accélère tout le temps, mais je parle vite à la fin, je suis désolée. Ok, on a eu la joie, comme ça elle s'est retournée, mais j'ai l'impression que ouais, ça vient. Ouais, ok. Alors, moi on me parle de ça. Trahison. Alors, pour moi, il y a beaucoup d'entre vous, au niveau du travail, il y a une ouverture qui se fait, il y a une stabilité, vous voyez, on a la maison... en dos de deck, donc ce sera plus tard la stabilité, parce que là, c'est en fait, si vous regardez dans cette carte, on ouvre la porte et derrière, quoi, il y a la maison. Ça veut dire qu'on ouvre la porte vers quelque chose de stable. On l'a en dos de deck, ça veut dire qu'elle n'est pas là encore, la maison. On ouvre quelque chose. Pour moi, c'est grâce au travail. Soit on a travaillé sur soi, on a travaillé sur soi, mais un travail, vraiment grâce à un travail, on a une nouvelle opportunité. Pour d'autres, ça va être aussi un déménagement. Sincèrement, on a une nouvelle maison. Je pense ça.
quelque chose de plus lumineux, les énergies bougent, les énergies changent. Et il y a peut-être aussi qu'on déménage pour un travail. Il y a aussi ça. Mais en tout cas, on me parle de matière ici. On fait quelque chose dans la matière pour soi. Mais c'est vrai que je ne suis pas dans un sentimental. Pourquoi je pense au sentimental? Je suis vraiment désolée, j'ai tellement l'habitude de faire un sentimental sur ma chaîne que là, j'allais vous dire... Enfin, j'allais... Là, c'est vraiment un travail, en fait. J'allais vous dire, oui, on parle de ça pour le sentimental, mais je ne suis pas dans un sentimental. Donc, je pense qu'il y a aussi pour certains d'entre vous l'amour du travail. Tout l'amour qu'on a vu, en fait, pour moi, c'est des énergies d'être heureux, d'être épanoui, d'aimer ce qu'on fait, d'être enthousiaste, optimiste. On se lève avec... on fait les choses avec le cœur, enfin. Donc, pour moi, il y a un travail, il y a un nouveau travail pour certains d'entre vous, où le travail, il y a un changement au niveau de votre travail. On a les roues, on a la santé, je ne sais pas. Vous voyez, avec ces petites... C'est peut-être un travail où il y a du déplacement. Hein. Mais en tout cas, ça vous ouvre vers quelque chose de beaucoup plus stable. On le voyait avec le tarot, il y a quelque chose de beaucoup plus stable qui vient vers vous. On va matérialiser quelque chose. Donc, il y a une ouverture et on voyait qu'on n'était que dans le 3, pas encore dans le 4. Donc, vous voyez, on est toujours en train de travailler et on vous rassure sur le fait que oui, vous êtes en train d'ouvrir la porte de votre destinée vers quelque chose qui va se concrétiser, être stable et être super, cette maison. Elle arrive. Elle est juste derrière la porte. On vous dit ça. Pour moi ici, on attire mon attention au niveau de... Parce qu'on me parle d'enfermement sur lequel vous êtes protégé, d'accord ? Certains d'entre vous, vous avez envie de bouger. Vous vous sentiez trop isolé dans votre travail. Je ressens ça. Vous aviez envie de bouger, de mouvement, de rencontrer du monde. Il y a peut-être ça. Vous étiez trop isolé. Pour d'autres, c'est l'inverse. Vous vous mettez à votre compte. Vous allez dans une activité à votre compte. Vous allez vous isoler dans votre travail. Parce qu'on a aussi la maison en deux de deck. En tout cas, vous êtes en train d'y songer. Fortement, à vous mettre à votre compte et à faire une activité dans votre maison. On vous dit que vous êtes protégé là-dessus, pour tout ce que vous voulez entreprendre au niveau de votre travail. Par contre, attention. Je pense que là, ce qu'on veut me dire, c'est que les énergies de trahison, les énergies de, voyez, où on se protège, où on est dans l'énergie, encore une fois, de la papesse, où on fait attention à notre petit cœur, tout ça, c'est encore là. Donc, encore une fois, j'ai envie de vous dire, n'allez pas brut de décoffrage dans les choses, dans ce nouveau travail, dans ce nouveau... Soyez patient, soyez doux avec vous parce qu'il y a encore des sensations de trahison. Pour d'autres, et je l'espère pas pour vous, il y aura peut-être, c'est vrai, une trahison au travail. Si on me dit que vous êtes protégé avec ce miroir magique, on me dit que vous êtes protégé, mais on me dit que ça annule aussi tout ce qui est négatif. Voilà pourquoi il est tombé. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être le tout dernier. Vous savez, des fois, quand on fait un gommage de peau, par exemple, là, on est en train de purifier des choses, on est en train de nettoyer, on est au bout du tunnel, comme je dis souvent. Quand on fait un gommage de peau, on a tous les boutons qui ressortent. Quand on fait une détox, on a plein de... On a la fatigue, enfin, c'est pas... On fait une détox et on est pumped up. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui doivent sortir. Donc, peut-être, c'est possible que pour certains d'entre vous, mais c'est... Je pense, si vous êtes trahi dans un travail que vous exercez depuis longtemps, d'accord ? Que vous êtes trahi, trahison, ça peut être beaucoup de choses, un sentiment de trahison, une injustice, on a révélé quelque chose, on vous a balancé, je ne sais pas, hein, on a... Bon, vous êtes déçu, on ne vous a pas signé le contrat que vous deviez avoir, on vous a pas, on vous avait fait une fausse promesse, ça peut être plein de choses, hein, le sentiment de trahison. Ce n'est pas forcément le gros coup de poignard dans le dos, hein. On vous dit que vous êtes protégé, sincèrement, on vous dit que vous êtes protégé, mais j'ai envie de vous dire que c'est peut-être un mal pour un bien. Ça fait longtemps que vous êtes dans un travail, peut-être que Dieu, l'univers, vous pousse à prendre conscience que vous n'êtes plus à votre place et ce dernier coup de grâce va peut-être vous pousser à aller ouvrir la porte de votre destinée à vous. Pour certains d'entre vous, c'est un peu ça. Hein. Mais on vous dit, ce sera passager. Vous êtes plus fort, vous allez être plus fort que ce qui va se passer là. Ça va être passager, ça va être éphémère, ne vous inquiétez pas. En fait. Parce qu'après, vous aurez des bonnes cartes. La tranquillité, la stabilité, la réussite, la santé, le cadeau. Ah ben ouais. Non, franchement, il y a des bons trucs qui arrivent après. Donc, pour ceux qui vivent ça la dernière semaine, réécoutez la fin de cet enregistrement et dites-vous que
que voilà, ce sera éphémère et c'est peut-être un mal pour un bien. Des fois, maintenant, quand on prend du recul sur les choses qu'on a vécues dans sa vie, il y a certaines choses où on se dit, oui, finalement, le fait que ce soit arrivé, ça m'a permis de déménager, de partir là, de rencontrer telle personne, d'avoir tel ami, de faire tel travail, bref. Un mal pour un bien. Ma petite surprise, je vous le dis, pour le côté sentimental, c'est que je me suis acheté cet oracle. Que vous reconnaissez peut-être, c'est l'oracle coup de cœur. Et vous savez quoi? Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Et j'ai acheté les petites cartes révélations qui vont avec. Donc les petites cartes révélations, c'est trop bien. Parce qu'en fait, elle a séparé, enfin qui va avec, elle s'est vendue séparément. Mais les petites cartes révélations, c'est, il y a pour ceux qui sont en break et séparation, ceux qui sont en couple, ceux qui sont célibataires, ceux qui sont entre deux et ceux qui ont des projets ensemble. Et je trouve ça génial. Franchement, je l'adore. Donc voilà, je vais finir avec une carte, une petite carte conseil. Une heure, à mon avis, je ne suis pas sûre de pouvoir la faire. J'ai peur qu'elle se coupe, ma vidéo. Et on va essayer. Si jamais, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vais passer aux autres éléments avant de faire le sentimental. 23. Soyez à l'écoute des signaux de la vie. Je vous ai dit, ancrez-vous. Soyez patient, soyez dans l'instant présent. Il y a des choses qui veulent venir vers vous pour vous transformer, 2 et 3, 5, pour cette belle métamorphose, pour ce beau papillon que vous allez être, que ce bel envol que vous allez prendre. Portez davantage attention à votre environnement et les signaux de la vie deviendront plus visibles et vous est plus facile à décoder. Ainsi, vous verrez la voie se dégager devant vous. Il y a une notion de prendre son envol pour vous. La voie se... Oh, se dégage comme la carte de la nouveauté où on voit le petit chemin et puis au fond on voit la maison qu'on veut, on voit l'envol qu'on veut prendre avec ces petits oiseaux, on voit le soleil qui brille, qu'est-ce qui va illuminer notre vie. Les signes d'eau, c'est trop bien, franchement, votre tirage. Vous m'avez inspiré, alors maintenant il va falloir que je fasse une heure de tirage pour les autres. Bon, je vous fais des gros bisous et je ferai le sentimental avec ces magnifiques cartes. Sont magnifiques, franchement. Trop belles. Ils sont très girly. Je vous fais des gros bisous à tout bientôt, les signes d'eau. À bientôt. Ah oui, non, j'ai un message parce que je suis une pipelette. Bah oui. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, qui viennent d'arriver au cas où, ben bienvenue déjà. Et puis, on va faire un... On veut bouger avec Tristan Guimenez, autre tarologue sur YouTube. Et j'ai mis dans l'onglet à propos, je crois. Non, communauté. Dans l'onglet communauté, un sondage pour savoir si vous êtes intéressé déjà, et si vous êtes intéressé, si vous êtes à Montpellier, à Turin, à Barcelone, à Genève. Voilà. Et si c'est le cas, on aimerait vous rencontrer. Et pour les autres, vous pouvez mettre en commentaire dans quelle ville vous êtes, à part Paris, parce que bien sûr, Paris, il y a eu plein de demandes. Donc bien sûr que Paris, on essaiera de faire. Il faudra qu'on passe plus longtemps, comme ça on fera chaque petit arrondissement. Et aussi, ben, pour ceux qui me suivent depuis... qui me suivent, dites-moi si ça vous plaît, parce que j'ai décidé de faire des... C'est bon, organiser mon temps, ça va aller un peu mieux. Donc, j'ai décidé de faire des guidances générales et sentimentales pour chaque signe, les 12 signes. Mais aussi, j'aimerais faire des coachings pour élévation spirituelle. Vraiment, j'ai envie de limite faire tous, on se soutient et on écoute les énergies collectives et on se donne des petits conseils, j'aimerais vraiment qu'on se fasse un challenge du style, allez, on se fait 21 jours de ça, allez, J-22, 21, et moi, chaque matin, je tire une carte et puis je vois les énergies qui nous traversent, comment ça peut nous aider cette journée, je sais pas. Voilà, dites-moi si ça vous plairait. Et je ferai plus tard, quand j'en aurai le temps, certainement un Instagram et un Facebook, pareil, pour qu'on puisse se booster tous les jours, toutes les semaines, qu'on évolue. Et je ferai certainement le féminin sacré et le masculin sacré dans le but, pas de prédiction, mais dans le but de qu'est-ce qu'elle doit travailler la féminine sacrée, qu'est-ce qu'il doit travailler, alors travailler j'aime pas, mais qu'est-ce qu'elle doit comprendre, qu'est-ce qu'elle doit lâcher, de quoi elle doit se libérer la féminine, enfin plein de trucs comme ça, un truc hyper positif pour optimiser, pour que les prédictions soient toujours magnifiques, parce qu'on va travailler, ouais, faut que je le bannisse de... J'ai dit qu'il fallait bannir ce mot de son vocabulaire et je le dis tout le temps. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc voilà, bannir ce mot, et non, dans le but de vraiment être un maximum en accord, en corrélation avec les énergies collectives et optimiser nos
potentiel d'avenir. Je vous fais des gros bisous avant que ça me coupe. Bisous, bisous, à bientôt.